T'es parti où? Tu es parti au Congo. Au Congo, mais où? Première fois, Kinshasa. Ah, c'était la première fois, Kinshasa? Ouais, Kinshasa. Alors? Pour une première fois? Émotion, émotionnelle. Tu fais des. On arrive là-bas, les gens de ton pays te connaissent. Moi, je savais pas. En plus, je suis allé avec les darons et la daronne. C'était. Ça m'a fait plaisir de ouf. Ça a dû faire bizarre, non, même dès l'arrivée dans l'aéroport et non, tout. Non, carrément, je me suis caché carrément au début. Je voulais pas qu'on me voie et tout, parce que j'étais vraiment en mode famille. Arrête, petit à petit, quand je sortais, les gens me voyaient, c'est dire après, ça fait du bouche à oreille. Et ça, t'as l'impression que ça t'a ressourcé, en tout cas, pour l'album, ouais, ça t'a redonné un autre. Ouais, à fond. J'ai vu qu'en fait, là-bas aussi, j'avais de la force et tout. C'est dire ça m'a motivé encore plus. C'était comment ça? C'était à quel moment de l'album justement? C'était un autre top. T'avais déjà enregistré beaucoup de titres? T'avais beaucoup ouais, de. Carrément, je suis venu, je t'ai dit, ouais, l'album il arrivait même pas. Ah oui, ça c'est vrai. C'était quand j'étais avec Leto carrément. Ça tu me l'as fait plusieurs fois quand même. Bon, là il arrive, c'est sûr. Ouais. C'est le 27 mai, c'est le projet de Tiakola Melo, notre invité. Ouais, c'est ça. Planète Rap.